Salut à tous, c'est Gros et on se retrouve sur Stalker Misery, donc qui est un mode qui change à peu près tout hein, de Stalker. Plus jamais mec. Il change à peu près tout hein, dans Stalker, c'est une modification. Un petit freeze, une modification complète du jeu. Donc c'est à dire tout est repris, il y a même des choses qui sont ajoutées, beaucoup de choses qui sont ajoutées, il y a tellement d'items en plus dans le jeu, c'est terrifiant. Je sais pas, d'en avoir 200, peut-être même plus, peut-être un petit peu de moins, je ne sais pas. En tout cas, il y en a énormément. Donc, ils ont repris tout, les graphismes, l'ambiance sonore, tout. L'ambiance qui est assez terrifiante quand il y a de la brume, bon là, il n'y en a pas. Dommage pour vous, tant mieux pour moi. Et on va tout de suite aller faire une mission secondaire. Alors, on va aller faire... Attendez, je me rappelle plus ce que c'est, les missions secondaires. Une planque bien cachée. D'accord... étrange phénomène. Ah non, on va pas faire ça. Je m'en rappelle du stalker de base. Donc on va aller faire celle-là, transaction. Alors c'est par là, bien sûr, il n'y a pas de... C'est un mode, je vous l'ai pas dit. C'est un mode ultra réaliste. Quand on y tire, attendez, je vais mettre le son à fond parce que là il faut pour ce mode. Au départ, on a choix entre trois classes. Sniper. Quand on a un bruit derrière moi. Sniper. Gros bourrin en gros. Discrétion. Moi j'ai pris sniper parce que apparemment c'est le plus simple à prendre en main. C'est le plus simple avec lequel survivre. Et moi comme déjà là je meurs pas mal parce que c'est la guerre. Eh bien j'ai pris sniper. Ok, radiation, désolé. Donc là on se rapproche de la mission, est-ce que c'est bien là? Oui d'accord. Je crois qu'on va prendre d'assaut un truc dans cette mission mais je suis plus sûr. Ça c'est dans mes souvenirs du stalker original. Regardez cette... T'as eu des coups de feu par là-bas, c'est pas bon. Ah non, par là-bas. Il y a toujours des coups de feu de partout, quoi, dans ce mode. C'est dingue, c'est la guerre perpétuelle. C'est quoi ce bruit? Il y a une mouche, quoi, qui... J'espère que c'est une mouche, j'espère que c'est pas un truc qui pique et qui peut faire mal. Je sais pas si vous l'entendez, c'est terrible. Dans mes oreilles. Bonjour, les gars! Faut ranger l'arme. Range. Parce que dans ce mode, qui est ultra réaliste, je le redis encore une fois, si vous vous pointez avec une arme et que vous braquez des mecs, forcément, imaginez dans la vraie vie, il y a un gars qui se ramène et qui vous pointe avec son arme. Vous allez pas non plus... vous allez peut-être hésiter à tirer, quoi. Écoutez leur conversation. Écoutez la conversation. Oula. Oula, freeze. Et soi-disant, c'est en discrétion, c'est ça que vous me dites. Attendez, par contre, là, j'ai pris des radiations. J'ai pas un truc pour diminuer ça. Je dois avoir ça. Excusez-moi, il y a tellement de trucs que pour savoir ce qu'il faut utiliser... Mon dieu, où c'est? Du thé peut-être, je sais pas. Radiation, on va prendre du thé. Alors oui, alors quand je vous dis c'est ultra réaliste, là il y a une animation, enfin une animation. Vous voyez, il y a un bruit et tout ça. Ça prend du temps vraiment, on peut pas combattre et se remettre de la vie par exemple. Les medikits, ça ne fonctionne pas. Essayez de les rejoindre sans me faire voir par l'ennemi. Putain, il m'a vu. Qui va là? Mais non, tu m'as pas vu. Mission mise à jour. Empêcher la vente des armes. Ok, bon, bah, ça va être la boucherie j'imagine. Oh mon dieu quoi. C'est freeze. Je sors les armes, c'est bon, vous avez pas me tirer dessus. Ce serait cool, c'est qu'ils se tuent tous entre eux et que j'ai juste à ramasser le butin. Oh, ça fait tellement de bruit. Oh mon dieu, ils se sont fait faucher quoi. T'es pas avec nous toi? Si? Toi non? Qui est avec nous, qui ne l'est pas quoi? Je suis mort. Je me suis fait niquer par le jeu là, j'accepte mon nom. Bon ben voilà, au moins ça vous montre comment c'est dans ce jeu. Mon dieu. Ok, donc c'est cool, ça nous remet ici en fait. Donc on va y aller quoi. Non, il faut que je vous reparle. J'ai des radiations, cool. On va reboire notre thé. Ah merde, du coup j'ai plus de thé. Bon, c'est dommage. Il faut gérer la faim et tout, bien sûr. Hein. Bien sûr, cela va de soi. Clairement, si vous prenez ça, si vous prenez ce mode, c'est que vous cherchez de la difficulté, mais de la difficulté hardcore de chez hardcore. On peut réparer ses armes, on doit les entretenir et tout ça avec tout ce qui traîne et tout. C'est l'hardcore-étude absolue. J'ai toujours trouvé ça ridicule dans Stalker comment ils marchaient les mecs. Même leur forme, je veux dire, ressemble à rien quoi, quand ils sont accroupis. Putain d'oiseau quoi. Oui, donc le mode reprend tout, donc niveau graphisme, il y a un mode qui est intégré qui s'appelle Atmosphere, donc c'est connu hors ce mode là déjà, c'est un mode à part. Qui change la météo, les effets météo et tout ça, et ben là il est contenu dans le temps quoi. Tous les bruitages et tout qui sont repris, enfin tout ça quoi, tout ce qui est sympa. On va essayer de pas crever. Ils ont déjà éclaté des mecs. C'est tellement brutal les combats là-dedans. Oh, il s'est baissé. Je le voyais à peine avec la sombritude absolue.
Oh, il s'est pris une grenade. Un dans la tête. T'es mort? Oh mon dieu. Ça saigne pas. Alors oui, alors dans ce mode ils ont ajouté des trucs réalistes comme par exemple si par exemple là j'ai tiré dans le torse, alors je crois qu'il est mort, mais par exemple ça dépend maintenant de l'armure qu'ils ont. Vous voyez, avant c'était plus par rapport au point de vie des ennemis. Maintenant par exemple si par exemple, là de prononcer comme ça c'est terrible. Par exemple le gars a une bonne armure, une très bonne armure, et que je tire dedans dans le torse, il va me falloir quand même beaucoup de balles pour le tuer. Alors que si par exemple je tire dans les jambes, ça risque de le mettre à terre. En fait j'ai n'importe quoi, mais vous avez compris le point. Maintenant ça dépend moins des points de vie et plus de l'armure des gens, de la protection qu'ils ont. Pourquoi j'arrive pas à parler là, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr je loupe comme un sale cochon, ça c'est, y a pas d'échappatoire à ça, hein, faut pas déconner. Je suis un pig, un sale pig. Ça c'est un truc de faction, non? J'ai pas envie d'avoir ça sur moi, je m'en fous. Ça, kérosène, élément technologique, je prends. Ouais non, je suis bien trop lourd, vous savez quoi, on s'en fout. Ça me fait déjà chier de ramasser tout ça. Honnêtement, voilà, on va continuer comme ça. Alors, il va pas me donner ma récompense pour avoir aidé le peuple russe. Enfin, le peuple. Où est le cerveau? Où est ce mofo de cerveau? Alors, attendez, on ramasse quand même les trucs, genre les chaussures. Réparation, combinaison. Je peux l'utiliser quoi. Je pense qu'il faut l'utiliser quelque part. Excusez-moi, je connais pas encore toutes les subtilités, hein, je crois que ça c'est évident. Ça saute à la tronche quand j'en parle du jeu. Il y a de la bouffe, ça c'est cool. C'est quoi ça juste? Brunox, spray lubrifiant. Vous voyez tous ces trucs, regardez, quand je regarde les objets, il y a tellement de... Bon là bien sûr il y a rien, mais pour faire chier. Ah, il a un PDA. Donc voilà, une plante ou un truc comme ça sûrement. Il a une gourde surtout, ça j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Sous-vêtements, il y a tellement d'objets quoi, je vois jamais deux fois le même objet presque. Vous voyez tous les trucs là que ça sort, la irradiation et tout ça, bon il faut le cuire ça, j'imagine. Kit de couture, vous voyez tout ce que ça change, toutes les stats, c'est un enfer quoi, ça s'apparente à une deuxième vie je pense, de comprendre tout ce mode dans son ensemble, de connaître les objets et tout ça, c'est... Ça doit être chaud quoi, mais chaud. Bon alors du coup, il faut que je trouve celui qui me parle en fait. Alors, lampe torche maintenant, voilà, c'est un truc qu'on tient, donc c'est plus comme avant où c'était un, bah, voilà, une lampe torche comme dans les autres jeux. Hein. Bon, on tient notre arme en même temps maintenant, non. Il m'a donné de l'argent et une cornée de planque. Tu me parles pas sur ce ton par contre. On descend. Alors, demandez votre récompense au barbu. Ok, donc là il faut que je retourne au rafio. Oh merde, il pleut. Ah bah il y a une planque juste là, donc on va aller la prendre. Juste là. Une planque, c'est là où il y a des objets, hein, vous vous en doutez. Je dis ça pour ceux qui connaissent pas Stalker, mais bon, ça va être compliqué de vous... Alors c'est sûr que ça va être en haut. Ça va être compliqué que vous expliquiez Stalker en un truc. En gros, on est dans la zone de Tchernobyl. Et on se met bien, quoi. Non, mais on enquête sur des hélicos et tout, enfin... Scénario a pas trop d'importance, c'est plus l'ambiance qui compte et tout ça. Je crois que c'est la planque, ça, non? C'est ça. Voilà, la drogue j'ai trouvé, je crois, c'est cool. Toujours bon de trouver de la drogue. C'est toujours bon. C'est toujours bon dans Soulcœur, je sais pas. Il y en a une autre planque, non? Ok, ok, d'accord. Là, je vais retourner au bateau, je crois, parce que il faut que je donne. Enfin, il faut que j'aille finir la quête quoi avec le Barbos. Donc, retourner au bateau en essayant de pas mourir. Sauvegarde rapide, boum! Thomas, oui, le jeu retient mon nom. Ce que j'aime pas trop. Bon, mon nom, c'est pas non plus mon nom de famille. L'ambiance est dingue, je vous le dis tout de suite. Dans le jeu, on est dans le jeu quoi. Imaginez ceux qui ont joué au Métro 2033 et Last Light, il y a une ambiance de dingue, on est d'accord. Enfin moi c'est juste la meilleure ambiance que j'ai vue dans un jeu. Et ben là, ça s'en rapproche quand même immensément. Et pour cause, oula, je fais un discours structuré, c'est bizarre là. Ça me fait bizarre là, ça me fait des petits picotements. Non je déconne. Et pour cause, les mecs se sont inspirés de par exemple Métro 2033 et des films comme Je suis une légende. Alors, je sais pas pourquoi ils sont inspirés de Je suis une légende, mais bon. Quand même nettement plus hardcore. Mon dieu, ces éclairs quoi. J'aimerais bien qu'il y ait une émission pour vous montrer comment c'est. Encore une fois, c'était dans le jeu de base, mais là, elles sont tellement mieux quoi. J'en ai eu une. En gros, il y a tout le ciel qui devient orangé et il y a une émission radioactive. C'est assez cool. Il faut se mettre à couvert pour pas se faire, pour pas se transformer en zombie. Oui, il y a des saloperies là-bas, non? Toujours des saloperies dans ces marées. Déjà dans le jeu de base, il y en a tout le temps, mais alors là. On va dormir.
manière là, j'ai pas envie de me faire électrocuter. Non, je déconne. Je pense pas qu'ils ont poussé. Ils ont poussé le réalisme au point qu'on peut se faire foudroyer. Ce serait un petit peu abusé quoi. Même pas qu'un petit peu, ce serait totalement dingue. J'adorerais ça, je courais dans la pluie tout le temps pour me faire foudroyer quoi. Alors les effets de lumière sont dingues avec l'orage, ça c'est ouf. Regardez-moi ça, se fait des espèces de traits de lumière, c'est magnifique. Regardez-moi ça quoi, c'est dingue. De là où ils sont quoi, c'est ouf. Ce jeu, c'est dingue. Ce mode, c'est un truc de taré quoi. C'est un truc de taré comme il change le jeu. Le nombre d'aspects qui changent. Bon là on va réentendre sa musique qui est sûrement copyright. J'ai jamais entendu deux fois la même truc. Voilà, il m'a donné de l'argent, cool. Je vais sûrement faire des transactions avec lui, tiens. Alors, je vais changer cette arme dont je n'ai pas besoin, honnêtement. Pff, je sais pas si je les change ou pas. J'entends jamais deux fois la même musique à cette putain de radio. Je sais pas comment ils en ont mis, c'est dans le mode ça. Hein. Je sais pas comment ils en ont mis. Mais bon dieu quoi. Ok, alors qui c'est que ça? Kit de réparation, ça. J'imagine que c'est beaucoup trop bien, donc on va le garder. Ah, c'est ça qu'il faut que je donne. C'est des roubles, et pour quelque raison que ce soit, il faut que je les donne pour les avoir. Vous voyez, c'est marqué pièce 100 roubles. Mais il faut que je les change pour avoir 100 roubles, ce qui est assez étrange. Vous pouvez vous dire que j'ai pas mal d'argent, mais 84 000, les choses coûtent cher, la vie est chère dans ce mode. Regardez-moi ça, tous les objets qu'il y a, quoi. Oh, cette musique, ça, vous avez plus connu, quoi. Ça, c'est le copyright de l'extrême, je pense. Je me fais choper par ça, c'est YouTube qui m'envoie en prison, quoi. En plus, je vais l'entendre ici. Je fais une cover, hein, parce que ça, c'est autorisé, les covers. Of course. On va poser ça. Plaque de faction, mais Mayas. J'en ai pas besoin. On pose tout. Je garde les kits de soins, non, quand même, on sait jamais. Ça, ça demande quoi? Ça et ça et ça. On va ranger ça. On va ranger ça aussi, fuck it. Ça, je range. C'est quoi ça? Couteau suisse, je garde, bien sûr qu'on garde les couteaux suisses. Toujours avoir un couteau suisse. Jeu de cartes. Ça, ça doit se vendre, ça. Avec des murs. La description est énorme, quoi. Il y a une traduction française qui est en bêta, mais qui est très bien, honnêtement, à part quelques trucs pas traduits. Kit de fabrication, carte. Pédale est tout même plus précis. Bah, je m'en fous, alors, crève. Je donne ça là, oui, au coffre. Mange. Petit das tout bas. Hein. C'est bien, je peux bien chanter ce genre de musique. Ration de combat, d'accord, bon j'ai de la boue, j'ai tout ce qu'il faut. On va poser cette viande, parce que tant que je sais pas faire cuire dans un feu de camp, c'est à rien. Que de chien mutant. J'ai des trucs, je sais même pas m'en servir quoi. Elle a l'air bien cette musique aussi. Les musiques sont cool quoi. Je sens qu'ils ont fait exprès pour qu'on l'entende à travers là. Histoire que je me fasse prendre par les copyrights, ils ont fait exprès. Ah non, j'ai dit je dormais, donc on va dormir. On peut dormir sur les lits, oui. On va dormir jusqu'à... Merde, c'est le vide, non. On est vers 17h j'imagine. On va dormir jusqu'à 8h. Allez, 8h. Puis on va partir faire d'autres quêtes. J'espère qu'il y aura de la brume là. J'espère sincèrement qu'il y aura de la brume. Ok mec, t'es pas obligé de faire un grognement comme ça. On va juste vendre le jeu de cartes, parce que j'ai pas d'amis. Et la description dit qu'il en faut. Voilà, ça se vend combien? 96 roubles. Ça passe. C'est bien, je peux pas lui échanger le PDA, je m'en fous maintenant. Oh, 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 je suis content. Ah merde, mon gars par contre a faim, non? Tu vas manger, il y a de la brume, il y a tout ce qu'il faut. Tu vas manger ça, tiens, ça a l'air bien ça. Mange. Il mange tranquille dans la brume, le mec qui a peur de rien. Et là, cette ambiance, vous allez la déguster les gars. Avec moi qui parle par-dessus, c'est sûr c'est pas pareil, mais... Cool, elle est de là-bas, je crois. Oui, les gens vont se mettre à couvert, ça c'est plutôt cool. Ceux qui sont piégés, ils deviennent zombies, donc... Je re-sauvegarde. Je sais pas combien de temps il faut pour y aller. Je vais vous en montrer le maximum, mais... commencez à fuir. Regardez-moi ça, quoi. C'est un des trucs les plus impressionnants que j'ai vu dans un jeu, honnêtement. Ok, là, faut rentrer. Là, ça devient vraiment orange, là. Bon, je vais être bien à l'abri, là-dedans. Ok, ça arrive, ça tremble. Ça tremble! Yeah! Reste à couvert. Voilà. Et là, on attend. Il y a des cons qui me parlent, par contre. J'aime pas trop. Pas une petite fenêtre, soit qu'on voit les effets de lumière. Qui sont bien, bien cool. Non, il y a pas de fenêtre, sinon on crèverait tous, j'imagine. Ah! Petite émission! Montre-toi, révèle-toi. Je suis là pour toi. Привет, Сталкер. Suivant toi déjà.
J'aimerais pas. Ah oui, lui, il vend des armures et des armes. Il les commande pour toi. Alors, il y a des nouveaux trucs là, je vois déjà. Un G36, combien tu me le vends? 50 000 billets, 53 000, crève. Et là, on entend la vague qui passe. C'est assez énorme, je me rappelle, j'attendais, je voyais la vague qui arrivait vers moi. Donc la mort. Yeah. Sûr, il y a des JPEG. On aimerait bien la voir, hein. On aimerait bien la voir. Malheureusement, dans ce mode, je crois qu'on meurt tout de suite. Je crois que j'avais essayé à la première mission. Que j'avais tourné en vidéo, j'avais commencé directement en vidéo, mais ça avait planté. Ça fait longtemps que j'essaie de vous faire cette vidéo, vous vous rendez même pas compte. Longtemps que j'essaie de vous montrer ce bon dieu de jeu. Et on va se soigner, parce que j'ai pas beaucoup de vie. Bon, lequel est le plus pourri? Medikit militaire. Medikit, on va utiliser le normal. Pourquoi il rigole ce débile? Il est content quoi. Ah merde, le Medikit par contre ça fait passer le temps, je crois qu'il l'utilise. C'est un peu con ça. Enfin c'est un peu con, c'est bien pour l'immersion, mais bon, ça fait pas passer trop de temps non plus. T'as pas ta musique? Né, né, né. Ce serait cool là. Né, 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 né. Ce serait assez cool. C'est bon? C'est qui a renversé cette tasse? Sûrement moi, mais je suis pas sûr. Ce qui est impressionnant en fait, c'est qu'il y a tellement d'objets, mais je veux dire, il n'y a pas des trucs à la con comme dans les Elder Scrolls ou Fallout où tu peux ramasser les tasses quoi. Des trucs qui te servent à rien. Là, c'est vraiment des trucs qui servent quoi, les objets. Mission accomplie! Yes, j'ai réussi. Émission divine! Je suis un enfant de l'émission. Regardez-moi, ces effets de lumière sont ouf. Et là, on se dit, ok, je sais pas dehors, c'est peut-être. Oh, il pleut. Regardez-moi ça quoi, mais ça c'est des machines à screenshot pour moi. Hein. Je prendrais tellement de screenshots si je faisais pas déjà une vidéo. Pas dit que je les publierais, mais je veux dire. Quand même quoi. Ça a une sacrée gueule quoi. Je suis content tiens que d'avoir pu vous montrer ça. Même ceux qui connaissent, vous allez pas me blâmer de montrer ça parce que franchement, je vois pas qui peut s'habituer à un truc aussi cool. Ah, il y a des gens qui ressortent. Moi je suis déjà sous la pluie en train de danser Kumbaya. Alors. Ah putain, c'est loin maintenant. Je vais pas aller dans cette putain de truc là. J'ai pourri cette mission, je vais crever. Une planque bien cachée. Apporter le coffre accro. Le coffre qu'il a dissimulé dans une vieille voiture. Ah non, crève. C'est quoi? Trouver le chasseur disparu et ça. Ça c'est impossible. Ok, bah écoutez, on va aller. Au pire, on va à la mission, mais non. On va aller là. Et au pire, on ira sur la jaune. Voilà, c'est fini. Ok, là on se balade dans une ambiance qui fait nettement qui est nettement moins rassurante. On va quand même le faire, hein. Pas le choix de toute manière. Et là, le ciel redevient stalk que rien. Avec une sacrée pluie qui recommence. Je suis halluciné juste par ce qu'ils en ont fait avec ce mode. Je veux dire, le jeu était déjà beau de base, enfin beau. Je veux dire, il passait quoi. Je veux dire, il y avait une ambiance sympa, mais là c'est ouf quoi, l'ambiance de dingue. Les bruitages et tout ça, c'est parfait quoi. J'ai peur par contre de me faire attaquer parce que je suis émerveillé. Y'a pas une planque là-dedans, tiens. J'avais le souvenir qu'il y en avait une dans ces trucs. Ou sur le truc, tiens, était sur le truc. Regardez-moi ça quoi. Juste contempler, c'est cool quoi. C'est sinistre, mais c'est cool. Ok, c'est par là-bas donc je vais passer par ce bateau. On va avancer quand même. C'est un seul pleureur ça. J'hésite à sortir mon arme, si je croise des mecs, là je les verrai pas et je risque de pointer mon arme vers... Il y a une saloperie qui court là-bas. Qu'est-ce que ça va être? Suspense. J'arrive pas à voir ce que... Putain, il y a une feuille qui est passée devant, ça m'a fait très très peur avec le cri. Je vais empêcher de regarder les éclairs parce que ça fait des effets tellement beaux quoi. Ah! Sauvegarde rapide. De Dieu. Non, de Dieu. Ouais, il y a une famille là. Il y a une famille où ils sont morts. Oh, ils sont morts, ils sont en train de se battre, non? Contre des humains peut-être? Je sais pas, c'est toujours en train de se battre de partout, ça me fout en stress moi tout ça. Il y a un autre là-bas. Alors c'est une lutte de territoire, je sais pas. On va pas aller dans ce bateau, parce qu'il y a une autre faction, je sais pas quoi. D'ailleurs j'avais dit à des bandits que je les aiderais à attaquer ce bateau et au final je les ai trahis.
J'ai prévenu ma faction et j'ai juste ramassé toutes leurs armes et tout, je suis content de moi. Enfin, je suis content de moi. Un truc que tout le monde doit faire dans ce mode s'il veut survivre. Ok, là je suis où? Là je devrais avancer, non? Je continue. Sors pas ton clou et ton... Ah oui, d'ailleurs, ils ont enlevé, je crois, je suis sûr même, les machines, comment s'appeler, les détecteurs d'artefacts. C'est-à-dire, dans ce jeu, il y a des... Je suis mort. Oh, tu m'as fait très peur. Non. Non. You can't touch this. Non, non, non. Non, non, non. T'es une merde. Cool. Ouais, je suppose que je pourrais le charcuter pour prendre sa viande et tout ça, mais ça prendrait du temps. Avec le bruit que j'ai fait, je sais pas si les animaux détectent. Je peux faire fuivre et vivre. Regardez-moi ça. Saloperie démoniaque. Vite, la colline. Le point en hauteur pour survivre. Tu veux vraiment ta dose? Ou tu vas me laisser en paix? Tu veux ta dose? J'entends notre bruit. Oh là là, ce freeze quoi, il y a des freezes. Laissez-moi en paix, j'ai rien fait. J'hésite à sauvegarder maintenant rapidement là. Si je meurs maintenant, c'est terrible quoi. Oh là, on va pas aller là-dedans, il y avait des espèces de saloperies là-dedans. Bon, il me suit encore l'autre là, il faut que je sache. Non? Putain, j'ai peur quoi. Oh, des dogs. Ah, ça, ils se battent entre eux, non? Putain, c'est une lutte de territoire quoi. Alors, putain, ça arrête pas le jeu ça. On va passer par là. Oh mon dieu. J'expliquais les artefacts, les anomalies et tout ça. En gros, il y avait des champs d'anomalies, si vous voulez. Et par les radiations, si on passe dedans, en gros, on se fait, ça nous tue. Donc il faut lancer des clous, des écrous pour ça, des clous. C'est quoi, c'est le prix des vis, des clous, des gros clous, des grosses vis. Enfin, non, putain, je sais pas le nom exact. On devait lancer ça pour savoir par où passer quoi dans le champ sans se faire mal. Par contre, c'est pas là que je voulais aller, c'était là. Donc, il faut que je traverse la faille parce que là. Bon, je me sens pas d'humeur à sauter là. Moi je vais sauter par-dessus ça. Quel homme, quel héros. Ok. On va pas rentrer là-dedans parce que. Me faire violer, chien. Oh mon dieu, mais ces freezes par contre sont tellement violents quoi. Je suppose c'est parce que j'ai frappé, mais je suis pas sûr. Les radiations, dème radiation quoi. Alors, vous êtes par là-bas. Oh non, c'est pas par là-bas parce que là-bas je crois reconnaître du jeu original aussi. C'était terrible cet endroit. On va bien voir. Sinon j'irai là où il y avait la voiture, mais putain j'aime pas cette ambiance là, c'est... Je me fous en stress, j'entends pas quand les animaux m'attaquent. Que cette pluie s'arrête quoi. Cette pluie battante. Putain des saloperies là. Ok. Arrête de sortir ça mec, on va mourir. J'arrête d'appuyer sur la mauvaise touche, c'est juste là. J'ai crevé, je pense ça va pas traîner ça. Sur la pierre de vie. Ok, je ne trompe pas de touche. Alors qu'est-ce que c'est la mission? Faisant vous demander qu'il a disparu de trouver un nid de censure. Donc ça veut dire qu'il est sous terre. Bon. Bah autant aller voir la voiture alors. Je vais crever sûrement là-dedans. J'hésite à me soigner là avant d'y aller, mais bon. Pas péter un medikit cette affaire encore. Est-ce que les medikits sans les radiations, ce serait cool de savoir. Non. Plus 1 de santé sur 43 secondes, tiens. M'attaquez pas. Ne m'attaquez pas. I come in peace. C'est quoi là-dedans? Je vais voir, je suis obligé. Curiosité. Il faudrait que j'ai un flingue pour le tenir à une main, j'imagine. Je peux à la place de l'écrou, non? C'est indispensable. Je vois pourquoi j'en ai pas un. Ok. Regardez-moi ça, le son est super bien rendu, même quand on est en intérieur ou en extérieur, ça change quoi. Alors. Elle est là-dedans sa voiture. Elle est dans cette crevasse de 100 mètres. Les mecs. Non quoi. Pas comme ça. Oh, je la vois. Putain, qu'elle est basse. Vous la voyez ou pas avec la. Vous aurez sûrement augmenté la. Mais comment je fais là? Terrifiant cet endroit. Comment je fais? De l'autre côté, comment je fais, bordel? Faut que je descende par là, ouais.
Je vois pas grand chose. Putain, c'est zo. Y'a toujours des putains de corbeilles dans ce mode. Allez, que la pluie s'arrête, quoi. Que le beau temps fasse. Entre, quoi. Les radiations, ça va me faire perdre un peu de vie aussi. C'est con, ça, putain. C'est con, mais. Je me les enlève, allez. En plein milieu, comme ça. Est-ce que j'ai de quoi? De l'eau? C'est connu pour enlever les radiations, ça. La bonne petite eau. Vite la voiture. Et un medikit pour être bien. C'est en bas à gauche hein, d'ailleurs si vous demandez. Bon là ça apparaît pas mais. Stamina c'est la barre de. Vraiment en dessous. Ah, ça fait de la paix dans mes oreilles. Ok. Pas ce genre de paix qui fait plein de bruit en revenant. Ok voilà. La barre au-dessus c'est ma vie et la barre en dessous c'est le staminum. Merde, je croyais que par ici ce serait mieux mais. Yos. Bon j'ai sauvegardé donc je vais remettre. Ok, re. Voilà donc là du coup c'est brumeux parce que pour quelque raison que ce soit, chaque fois qu'on charge la partie le temps change. Je vais vous dire que ça m'arrange pas mal là. Même si on voit plus la voiture du coup. Ok c'est par là voilà. My gambette. Comme ça que je suis censé descendre. Mes jambes pétées ou quoi? Quoi ce bruit? Le bruit du sable? Sur mes jambes innocentes! Putain que je suis nul. On va voir le temps qu'il va faire, surprise! Et mesdames et messieurs, il fait brumeux! Eh oui! Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui! Eh oui, eh oui! Hop! On va redescendre par là, on n'a pas trop le choix. Oh, il s'est retenu avec le mur, c'est beau ça! Donc faut bien sprinter et sauter ici. Très important de sprinter. Que j'ai pas fait bien sûr. Putain que ça me fait peur. Là. Est-ce que c'est intelligent? Ouais là. Mais putain là t'abuses là. Oh putain je suis encore en vie. Ok. On va pas recharger encore, j'ai la flemme. Arrête de respirer comme un. Comme si t'étais déjà mort mec. Reprends-toi bordel. Ce qui me fait peur c'est de croiser les sangsues qui habitent là-dedans. C'est pas les petites sangsues qu'on trouve déjà qui sont dégueulasses dans les marais. Là c'est. C'est de la sangsue de taille là. Ils sont pas là. Je crois que ça se fout invisible en plus ces saloperies. Certaines hésitations à sauvegarder là. On va juste choper la voiture. Mon dieu quoi. Il s'est mal en tombant de 1 mètre ce garçon. Ok. Sortir par là, j'ai l'air de voir le jour là. Cours. Cours, 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 cours. Cours, le jour est là. Cours, le jour est là, je peux monter, please. Aïe aïe aïe. Non. Deux coups. C'était pas le jour, c'était juste de la brume blanche, c'est ça? Au loin, comme dans tous les jeux, il y a des bugs comme ça. Bah écoutez, on se laisse sur ce magnifique écran. Et sur ce crétin qui fait du headbanging sur mon cadavre. Merci d'avoir regardé. Vous me direz si vous en voulez, pourquoi pas. Mais bon, c'est chaud, donc il faudrait que j'avance hors caméra. Ou en caméra, je sais pas, on verra. Merci d'avoir regardé et à plus pour une autre vidéo. Allez, salut. Je vais pas faire ça. Putain que t'es méchant. Crève. Il y en a deux là, gratuit dérouillage. Ok, il peut pas attaquer, c'est pas grave. Non, je sais pas combien il en faut, je prends. Ah putain, je peux esquiver hein. Pour ça j'imagine que c'est beaucoup trop méchant. Ouais, c'est trop méchant. Il veut plus l'attaquer, donc on se casse avec. Donc, on va. Font quoi ces débiles, essaye de rentrer dans la... Ok, tout meilleur, je peux pas passer par là, j'ai l'impression. Ah si, 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 j'ai trouvé, voilà. Ils sont rentrés. Run. Oh mon dieu. C'est fini. C'est tellement fini avant que ça ait commencé, quoi. Mais c'est moi. J'ai fait 3 mètres dans le putain de jeu, quoi. Allez, revenir. Non, je vais pas faire la dernière sauvegarde, non. Quoique. Qu'est-ce que ça change? Putain. Ok, re les amis. On va laisser Billy passer, après on va essayer. Oh putain, mon dieu. Mais comment je vais faire? Bon, c'est clair, il faut que j'aille au portail, je pense. Putain. Oh mon dieu, il m'a vu. Ok, alors... Thank you.
Putain, c'est le Vietnam qui recommence. Ok. Ok, calmez-vous tous. Je suis en torse, Vachi. Ok, alors eux, il faut leur mettre... Oh, mais là, c'est fini, là. Il faut leur mettre une balle dans la tête ou quoi pour... pour les tuer, parce que c'est des... Ouais, des zombies, quoi. Une balle dans la tête ou le cœur, je crois, j'ai lu... Oh, putain, merde, je suis bloqué ici. Oh, c'est quoi, ça? Outil de calibrage. Oh, putain, je me rappelle, ça, c'était chaud, il le fallait dans le jeu. Ils savent plus où je suis. Oh, putain, si, c'est... Quoi. Je oh, il tire à travers le sol. Je saigne là, non? Non, je saigne pas, ça va. Okay. Honnêtement, là, on est fuck. Allez, mec. Run! Run, bitches! Run! Run, il vise mal, il vise très mal. Oui! Oui! Je dis oui! C'est pour là qu'il faut que j'aille? Putain de merde! Où est-ce que je suis? Oh putain, c'est de la fumée, mais vous êtes... Putain, c'est quoi c'est... Je... Oh putain. Oh la 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 la. Je crois qu'on va faire le début normal, les mecs. Parce que... Voilà, donc après l'échec de Black Road, mais quel échec quoi, je me suis fait massacrer, on va entrer dans la zone normalement. Putain.